Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur Polybridge. On continue notre aventure, je vais y arriver. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est sur un saut de 42 mètres avec un ballon. Le truc tout à fait normal, en plus véhicule, c'est un monster truck. Le truc pas du tout abusé, on a le droit à du câble, ça c'est plutôt intéressant. Pouh, il faut donc passer au-dessus. Alors, on va déjà faire la piste de réception, je pense. Niveau budget, on est quand même assez large. Par contre, au niveau de la réception, c'est là que ça va être plus compliqué. Il faut que je puisse me connecter aux deux. Non, ça sera de toute façon pas faisable, les deux. Je peux en faire qu'un. Ça ne m'arrange pas des masses. Parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Attends, d'abord, on va mettre la route. C'est peut-être plus logique, quand même. C'est vrai. Il faudrait pouvoir faire un truc qui s'incline. Genre comme ça. Ah non, c'est un petit peu exagéré. C'est peut-être un petit peu exagéré. Je pense que comme j'étais là, c'est pas trop mal. Par contre, faut avoir... Oh, mais vas-y, c'est hardcore. Des trucs tellement abusés. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'il faut vraiment aller progressivement. Pas faire une montée trop rapide. Ce qui est vachement important, c'est la progression. Faut vraiment réussir à faire le bon saut. Et là, dans l'absolu, je pense que c'est plutôt pas mal. Là, déjà, on a une bonne idée. Donc on n'a plus qu'à construire les supports pour pouvoir réussir à tenir tout ça. Et ça, ça va être beaucoup plus compliqué, les amis. Je sens qu'on va s'amuser. Si tu me fais ça comme ça... Niveau budget, on en est où? Budget, ça a l'air d'aller quand même. Ça n'a pas l'air si mal. Donc ça pourrait être plutôt bien. Donc ça, on va le laisser. Attends, on va essayer de faire les choses vraiment structurées du mieux possible. Et déjà là, par contre, on a que dalle. On n'a pas de renfort. C'est un petit peu bordélique, on va dire. J'en suis à combien de budget? Non, ça va. Le budget n'est pas trop trop mal. Donc on va quand même se concentrer par ici. Pourquoi on a 3 points de fixation? Ah, mais on a les câbles aussi, c'est vrai. C'est juste, on a les câbles. Donc là, par exemple, je pense que du coup, le câble serait vraiment intéressant. Ce qu'il faudrait faire, c'est tirer genre un truc tout droit. Tu nous tires ça genre ici. Après, tu nous poses notre super câble. Donc là, le câble s'accroche. Et là, du coup, on peut mettre des câbles partout. Dans l'absus, ça sait tenir. Enfin, quoique non, je pense que vu la pression, parce que c'est un monster truck, c'est pas juste un petit véhicule. Donc je pense mettre... Ah oui, mais par contre, ça coûte cher. Ouh, ça coûte super cher. Il y avait de l'idée. Mais bon, on va quand même continuer. Juste pour voir si... Bah déjà, comment ça tient? Le truc tient presque. En renforçant un petit peu, bon, de toute façon on est hors budget, donc ça c'est clair. Et juste pour déjà se rendre compte quelles sont les possibilités qui nous sont offertes par le jeu, ce sera déjà plutôt pas mal. Là déjà c'est franchement bien, il y a déjà de quoi faire. C'est juste qu'il faut réussir à tout faire tenir. Et ça c'est chaud. Ça c'est super chaud. Fin. Ah je peux pas, il y a plus d'argent, tu m'étonnes, j'ai tellement fait péter le budget. On est tellement pas loin. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que du coup c'est de toute façon... Bon, c'est parce que je pense... Ah, c'est chaud. Comment on va pouvoir faire ça? Faut mieux réfléchir. Le coût des câbles, du coup, est pas une bonne solution. Apparemment, ça coûte cher, les câbles, ou pas? C'est pas censé être cher, normalement. Montre-moi combien ça coûte. Si j'en enlève. Bon, vas-y, fais tout sauter. 27 000... Ah non, c'était pas si cher. C'était pas si cher, donc c'est pas vraiment ça, le problème. Le problème, il y aurait plutôt des autres trucs. Donc, on va baisser le renfort, ici. On va enlever tout le renforcement qu'on a là, ça on pourra voir après, une chose après l'autre. Déjà si on sait qu'on a ça qui tient, ce sera déjà juste énorme. Déjà donc mettre nos câbles là, pas besoin de forcément mettre des câbles partout non plus, c'est vrai. Vers la base au début, peut-être pas nécessaire, c'est plus vers le haut, où vraiment là ça devient chaud au fond. On va déjà tenter. Oh! Attendez, ça a marché! Il faut juste réussir à faire tenir ça. Mais sachant qu'on a plus de budget, ça va être un peu gênant. Enfin, c'est juste ça qui me dérange. Comment on a pu faire ça? Quelles sont les solutions? Déjà monter un petit peu moins peut-être. On va se faire une route un peu plus droite. Voilà, comme ça. Et il n'y a plus qu'à le renforcer. Alors, il faudrait quand même du métal, idéalement. Enfin, genre, tu mets un bout de métal là. Après, du coup... Ah, mais laisse tomber, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, enfin. Chose gênante. Ah, puis j'arrive même pas à y accéder. Oh, c'est chaud, enfin. C'est chaud. Bah, je vais forcément être hors budget, du coup. Enfin. Bon, c'est plus pour tester. Est-ce que moi, ça tiendrait? Ah ouais, mais laisse tomber. La réception de l'autre côté, c'est super hardcore. C'est un truc de fou, enfin. C'est que là même s'il passe, ouais, il touche là, mais après il s'écrase comme une merde de l'autre côté. Boah, c'est violent. Bon, faut réfléchir les amis. Ah, je pense, vu le budget, c'est juste impossible avec ça. Donc je me demande s'il n'y a pas moyen de faire un méga saut de la mort. Il y a peut-être moyen. Vas-y, supprime-moi tout ce bordel. Enfin même, on recommence depuis zéro. Vas-y, on supprime tout. Et là, on va vraiment essayer de faire le méga saut pour les vrais. Et je me dis que peut-être ça pourrait passer. Si tu montes à chaque fois un petit peu plus. Et je me dis que ouais... Il y a peut-être moyen de faire un saut incroyable.
Par contre, peut-être pas abuser non plus trop sur la hauteur. C'est vrai que là, ça tiendra jamais, par exemple. Le truc qui veut rien dire. Vas-y, tire-nous un truc. Est-ce que... Enfin, déjà, le cap peut être jusqu'où? C'est la grande question, ça va être ça. Histoire de déjà pouvoir s'organiser un petit peu. Mets-nous un bon gros barreau, là. Donc, les câbles, est-ce que c'est limité? Ah, genre, les câbles, c'est vraiment illimité. Par contre, forcément, ça sera limité au niveau du fric. Parce qu'on va clairement en manquer. Donc, aller aussi loin, c'est juste pas possible. Ça, on est d'accord. Vas-y, renforce-toi ici. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Ce qu'il faudra faire, c'est utiliser aussi du bois. Alors, utiliser du bois. Donc, tu vas nous faire le renforcement habituel. Donc là, j'ai déjà fait un premier renforcement. Il faut quand même qu'on utilise le renforcement du dessous. Par contre, comment on pourra faire ça? C'est d'être le plus proche possible. C'est vraiment que ça tienne, c'est ça le truc, quoi. Vas-y, pousse-le au maximum. Au maximum. Est-ce qu'on le fait revenir directement ou pas? Je pense qu'on va essayer de faire ça en plusieurs fois. Il faudrait idéalement que ça, il aille au moins jusque-là. Et après, tac, ah, trop loin. Jusque-là serait bon. Il y a de l'idée, écoutez, il y a de l'idée. Après, il faut forcément renforcer tout ça. Donc, on va utiliser du bois. Ah, le budget, on est déjà en trop. Laisse tomber. On est déjà trop. Bon, ça va trop loin. Tout ça, faut de toute façon l'enlever. Mais déjà, s'il pouvait arriver jusque-là, ce serait déjà bien. Ah, il y a trop de poids, d'accord. Il y a beaucoup trop de poids pour lui. Il n'arrive pas à tenir. Et si on essaie d'utiliser un peu les renforts ici, est-ce que ça pourrait pas aider? Et si à la place du câble, là, je mettais plutôt ça. Est-ce qu'il y aurait moyen? Non, on est hors zone, il en faut forcément deux du coup. Ça va me coûter un peu trop cher ça. Ça va me coûter super cher. J'hésite à quand même essayer. Si je faisais ça, ça pourrait du coup aider à soutenir. Ouais, ça tient beaucoup mieux. Oh! Oh, zit! Attends, try again. Par contre, on va baisser, on va trop vite là, vas-y. Et c'est là. Donc là, ça saute. Ouh, il passe tellement proche d'y arriver. Il est tellement pas loin. Fin. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est incliner un tout petit peu moins. Au niveau de la hauteur, c'est bon. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille un tout petit peu plus loin. Fin. Donc je pense que si on insiste un peu plus là-dessus, il y a carrément moyen. Donc on va rajouter nos câbles par ici. Faut avoir au niveau des câbles, c'est vrai combien il faut en mettre. Ça coûte relativement cher quand même. Allez, mais il faut forcément encore un ici en tout cas. Et là, du coup, on est dans le budget. Forcément, je pense que ça a cassé. Il y a trop de pression ici, là. Ça m'a l'air un peu juste, quoique... Le problème, c'est qu'il va pas assez loin. C'est qu'il ne va pas assez loin. Ah. Donc, c'est pareil. Écoutez, on va refaire ça correctement. C'est qu'il faut vraiment qu'il est quand même un peu plus haut. Fin. Donc là, j'ai tout remis. Je suis un tout petit peu hors budget. Fin. On va déjà voir si ça peut tenir ou pas. Fin. C'est déjà la première question. Donc, jusque-là, ça va. Ça ne casse pas. Mais c'est vrai que je vais pas assez loin. Il faut forcément une réception a priori. Ça va être chaud. Du coup, je suis déjà hors budget, donc c'est pas possible de faire ça dans le budget. Et sinon, je me demande si on pourrait pas essayer de faire rebondir. On va tester autre chose, on va voir. Vu qu'on essaie de faire plein de choses différentes, on va voir s'il n'y a pas moyen de faire un truc un peu du genre. Genre un léger rebondi sur la montgolfière pour pouvoir réussir à sauter suffisamment haut. Donc là, j'ai fait un truc complètement différent. Est-ce que ça peut tenir? Ouais, non, ça tiendra pas là. Ça... Ou quoique... Oh, oh, oh! Oh, c'est pas loin! C'est pas loin! Alors là, je suis tellement proche, regardez-moi ça! Tac, mais il arrive, il se cogne sur le bord, mais de rien du tout! Fin. Ah, mais ce que je viens de me dire, c'est qu'en fait, on pourrait faire un mini-réception, enfin... Dans l'absolu, c'est vrai qu'on pourrait faire un mini-truc de réception en métal, pour que ça tienne, avec juste une barre de chaque, pour pas que ça nous coûte trop cher, et là, du coup, ce serait quand même un truc faisable! Par contre, faut juste réussir à faire tenir ça. Là, j'ai modifié un peu. Du coup, attends, maintenant, je sais plus comment elle était. Fin. Je crois que c'est genre ça que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que ce serait faisable? Oh oui! Est-ce que j'ai. Attends, forcément, faut mettre une route. Par contre, autrement, ça va pas le faire. Vas-y, tu mets une route là. Non, il a pas mis la route. Enlève-moi ça. On va mettre d'abord la route avant tout. Fin. Donc là, tu mets une petite route. Et c'est que là, du coup, ça serait presque faisable. Une route qui est soutenue comme ça, est-ce que ça tient? Dans l'absolu, ce serait... Oh, oh! Tellement proche! Tellement proche, les amis. On y est presque. On y est vraiment presque. Il manque pas grand-chose. Genre, il faut vraiment soutenir ça au maximum. Là, on est juste en budget. Mais déjà testé, voir si ça serait faisable. Oh, oui! Ça passe! Ça passe. C'est donc ça, la solution. Par contre, maintenant, il faut juste faire ça de façon moins coûteuse. Chose pas forcément aisée. Parce que comme ça, ça pourrait le faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, ça passe! Ça passe de justesse, un truc de fouf! C'était hyper dur, mais c'est passé. Pouh, je suis content! Donc, c'est une réussite, un super saut de 42 mètres sur un ballon. Enfin, le truc totalement what the fuck, mais qui est passé? Maintenant, 16 mètres overpass. Oh! Il y a plein de monde qui doit passer. Il y a beaucoup de monde qui passe, on a le droit au câble, au style et au bois.
donc au métal et au bois. On va voir ça. Comment on pourrait faire ça? Réfléchissons bien. Donc on n'a pas de piston, donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment un truc au-dessus. Il faut forcément passer au-dessus, j'ai pas d'être... Oui, c'est ça. Forcément passer au-dessus du bateau. Ça va être chaud. Ça va être chaud, donc il faudrait monter de façon idéalement comme ça. Et puis après, on descend tranquillement comme ça. Ça, c'est la théorie. Donc la théorie voudrait ça. Après, dans la pratique, ça va être un autre problème. Parce qu'on a quand même la limite du budget. Chose qui rend les choses toujours assez compliquées. Donc là, dans l'idée, tu nous ferais des bons gros trucs. Après, tu tirerais tes câbles. Les câbles de soutien. Parce que le soutien, c'est la vie. Et c'est là que ça va être plus compliqué. Au niveau du budget, il faut vraiment faire gaffe. Mais tant que genre, on va mettre du câble partout. Peut-être qu'en fait, c'est pas aussi compliqué que ça. Peut-être qu'on se prend la tête. Parce que je crois qu'on a assez de câbles pour... Et là, théoriquement, c'est censé fonctionner. Bon, peut-être là, ça a cassé. Non, même pas. Bon, écoutez, on va voir si tout le monde peut passer. Le bateau passe sans souci. La grosse voiture peut passer. Écoutez, bon, bah voilà. Le truc qui a l'air super compliqué, dit, c'est bon, je suis dans la merde. Mais non, écoutez, ça, c'est fait. On est dans le budget, exactement. Non, pas de souci. Bah, c'est fait. On passe à la suite. Le 18 mètres split. Oh. D'accord, donc un double. Et on n'a rien de particulier avec ça. On a un budget de 21 000. Est-ce qu'on est limité? Unlimited, hydraulique. Hydraulique, qu'est-ce que je shoot de l'hydraulique ici? Il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Ah, c'est pour pouvoir arriver en haut, oui, forcément, il va falloir de l'hydraulique, c'est juste. Oh, c'est... Qui c'est qui commence en premier? C'est la voiture du bas? Ouais, c'est A. Donc, ce qui est plutôt logique en même temps. Oh, A doit passer en premier, donc. Donc, B, il faudra un truc hydraulique, forcément. Donc, là, il va falloir réfléchir. Et réfléchir bien, les amis. Déjà, on va faire une route de base qui va monter tout droit. Jusque là, ça paraît relativement logique. Tu peux me faire ta route un petit peu mieux, ça m'arrangerait. Tu vas nous la faire un peu plus progressiste. Genre comme... Ah, c'est chaud. C'est chaud. Genre, si tu faisais un truc comme ça, ça serait faisable. Bon, oui, tu aurais de te péter la gueule. On va quand même tester. Et surtout, on va voir à ce niveau-là. Au niveau du budget, est-ce qu'on est bien? Genre, est-ce que je pourrais me permettre de mettre tout ça? Je pense qu'il y a peut-être moyen. Je pense qu'il y a peut-être moyen, vas-y. Tu vas nous faire un peu à l'arrache, un truc à l'arrache, mais ça tiendra quand même. Parce que j'ai confiance en toi. Niveau budget, parce que ça coûte pas cher, ça va. Niveau budget, on est relativement bien. C'est juste ça qu'il faudra réussir à bien connecter. Zut, je suis trop loin. Je suis trop loin, je peux pas pouvoir connecter les deux en même temps. Ouais, non, malheureusement, ce n'est pas faisable. Donc écoutez, on va faire autrement. S'il n'y a pas le choix, on en s'adapte et puis c'est tout. Ouais, donc ça, tu te connectes ici. Donc jusque là, ça va. Jusque là, rien de trop compliqué. Tout le monde a pu connecter tout le monde est heureux. Bon là j'ai pas abusé. Non, genre le truc tellement renforcé pour rien. En tout cas lui c'est bon, enfin. Donc c'est pas ça le souci, le problème ça va être lui. Bah dans l'absolu on peut pas lui faire un saut tout simplement, je sais pas, un truc tout con. Genre tu nous fais le saut de l'amour. Regarde, tu fais un truc comme ça, un truc totalement abusé. Mais le pire c'est que je pense que ça peut marcher, c'est ça. Vas-y, tu nous tiens, soutiens ça par ici. Et genre ici tu nous fais le soutien habituel. C'est un peu what the fuck, mais à tous les coups ça marche. Mais bon, on va quand même essayer de le modifier, mais si ça marche, parce que c'est vrai que c'est un peu abusé là. C'est un petit peu de la triche, on va dire. Aïe, non, pas tout à fait. On y était presque. On y était presque, peut-être un petit peu exagéré. Toi, tu vas nous faire un petit saut. Le petit saut de l'amour qui passe bien avec le câble ici. Donc là, tu soutiens au maximum. Puis limite, et puis c'est tout. C'est déjà comme ça, voilà. Donc là, ça passe sans souci, et je pense que ça fonctionne. Il fait le saut de l'amour, et il passe. Attends, on va quand même essayer de le modifier. Est-ce qu'on pourrait rendre ça plus compliqué? En même temps, le piston, je vois pas trop où je pourrais le placer. L'hydraulique, comment on aurait pu le placer pour que ça split au bon endroit? Du genre, si vraiment on voulait pousser le vis jusqu'à faire un truc de fou, ce qui serait faisable... Attends, on va essayer de réfléchir le mieux possible. Il faudrait qu'en fait, donc là, on aura un soutien, et le split leverait la route. Donc là, il faudrait mettre une route qui se leverait après là. Donc on va voir si c'est faisable. On va voir si le jeu le prend en compte, il faut bien forcément qu'il agisse sur le split correctement. Donc là, il nous fait la route la plus longue possible, qui serait genre comme ça. Dans l'absolu, je pense que c'est faisable, franchement. Je me dis que c'est faisable. Après, tu mets une petite route par là. Genre, je sais pas, un truc... Attends, lui, quand il va se lever, il faut bien calculer l'angle, en fait, c'est ça. Il va falloir bien calculer la longueur. Donc ça sera plus du hasard, on verra par la suite, on adaptera, en fonction d'œuf, pour que tout ça rende le mieux possible. Genre, je sais pas, un truc comme ça, ça me paraît tellement... Mais dans l'absolu, c'est franchement faisable. C'est censé tenir. C'est censé tenir, donc on va voir. On va voir si tout est faisable ou pas. Enfin, là, par contre, non. Il faut quand même réussir à faire ça un peu mieux. Enfin, donc toi, tu le soutiens. Jusque-là, tout est bon. Toi, tu vas soutenir également ici. Donc là, le soutien est fait de ce côté, il n'y a aucun souci.
Ici, il y a la route. Et ce qu'il me faut maintenant, c'est le split. Enfin, l'hydraulique déjà. Donc, l'hydraulique qui va être ici. Et ça, je le split. Donc, J. Et là, peut-être que... Comme ça, la route va monter. Donc là, il passe. Là, il se lève. Oh! Bon, zut! On est franchement pas loin. On est franchement pas loin du tout. Là, le problème, c'était plutôt ça. Il faut en fait pouvoir le descendre au maximum. Donc, genre, si on descendait la route, il faut juste la taille pour que le wagon puisse passer. Genre, si je le mettais jusque là, on va tester. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ça, quoi. C'est le, du test. Du die and retry. C'est un peu ça, genre. Tu balances ta voiture dans la mort et tu recommences pour voir si ça passe. C'est un petit peu l'idée. Lui est juste trop loin, malheureusement. Donc, dans l'idéal, il faudra faire ça comme ça. Et là, non, lui, il n'a pas de soutien. Il faut forcément 3 soutiens. Donc là, il est soutenu. Là, il passe de justesse. Oh! Oh, oh, oh! Ah, zut! Zut, zut! On est vraiment pas loin. Là, on s'approche vraiment de la réussite. Donc, il nous faudra un tout petit peu plus quand il se monte. Comment on aurait pu faire ça? Il monte trop. Donc, il suffirait de mettre ça un tout petit peu plus bas, logiquement. Genre test. C'est vraiment pour voir. Là, je modifie un petit peu. Ah, non, et du coup, c'est encore plus haut. C'est pas ça qu'il me faut, enfin. Alors si je l'incline un peu plus par là, en fait j'ai mis plus vers la gauche, est-ce que ça pourrait passer? Faut trouver le bon angle, c'est vraiment juste ça, c'est tout bête. Ah là c'est pas mal, là franchement c'est bien. Yes, réussite, bah parfait. Du coup là, on a utilisé l'hydraulique, on a fait un truc plutôt stylé, je suis content. C'est très très bien passé, est-ce qu'on s'en fait encore une dernière? Le 14 mètres criss-cross. D'accord, donc il faut croiser le criss, je sais pas ce que c'est criss en anglais. Il faut croiser la rivière on va dire. Donc passer là. Écoutez, ça a l'air relativement faisable. Ah, sauf que ça s'inverse. Oh, d'accord, le truc hardcore. Ça s'inverse, ça c'est pas sympathique. C'est pas sympathique du tout. Ça rend la chose très compliquée. Il faudra donc utiliser justement le piston, comme on a fait tout à l'heure. Donc dans l'absolu, ce qu'il faudrait faire. Écoutez, on va se lancer. On va se lancer tout simplement. Il faudra donc que lui monte. Tout bêtement en fait. Et logiquement, en montant, il va pouvoir se parquer. Et donc là, après, il faudra un moment que ça s'ouvre. C'est là que ça va être compliqué, en fait. Ça va être super chaud. Donc là, il n'y a pas de souci. On est bien d'accord que ça, ça joue. Par contre, c'est lui, en fait, qui va devoir réussir à descendre. Donc comment on va pouvoir faire ça? Il faut qu'il descende. Et après, qu'il puisse, en fait, que la route là se lève. Mais le problème, c'est que même... Ah, quoique lui, s'il se lève là... Donc si je mets genre un joint là... Tac, il peut se lever. Ça serait faisable. Par contre, du coup, forcément, il faut que là, ça se split en bas. Parce qu'il faut qu'il laisse sa place. Hein. Donc à cet endroit, il faudrait qu'il se split. Par contre, comment on va faire tirer tout ça? C'est une grande question. Il faut voir si ça tient. Surtout réussir à faire le truc stratégique. Donc lui, en se splitant, enfin, il faudrait que là, ça descende. Donc ouais, lui, là, ça va se monter. Donc la route va continuer depuis là. Donc c'est ce morceau-là qui devra disparaître. Donc on est d'accord. Donc ce que tu nous fais, c'est que tu prends la route. La route doit donc continuer ici, on l'a dit. Mais écoute, genre comme ça, à l'arrache. On va déjà voir si c'est faisable. Donc là, on a déjà l'idée de base. Après, il faudra renforcer le tout. Non seulement le renforcer, mais surtout que ça tienne. Et ça va être plus chaud. Donc là, j'ai bien renforcé le pont. J'ai mis des renforts un peu partout dans tous les sens. Maintenant, il va falloir réussir à mettre en fait les splitters. Ce qui va être un peu compliqué. Enfin, les splitters, les hydrauliques. Et ça, en fait, non, ça passe faisable. Ça me prend trop. Ouais, non, laisse tomber. Ce que je viens de me rendre compte, c'est que j'utilise trop de barres de fer. Du coup, forcément, je vais pas pouvoir avoir assez d'argent. Donc, je vais enlever un petit peu tout ça. Et puis, j'en mettrai mes barres de fer après en fonction de ce que je peux faire. On adaptera tout ça. Donc, moi, pour réussir à faire monter ça, la route ici, il va falloir que je place genre ça par là. On verra après, il faudra adapter exactement. Enfin, adapter, savoir où le mettre. Dans l'idée, ce serait plutôt ça. Alors, par contre, il faut forcément du renfort au maximum. Si je le renforce comme ça, est-ce que c'est faisable? Après, au niveau du budget, il faudra voir. Mais déjà, est-ce qu'il y a l'idée? Ouh, il y a l'idée, seulement ça casse. Mais au moins, on a un début d'idée. Je pense, où il y a trop de pression. Enfin, comment on pourrait faire ça? Il faudrait équilibrer la pression. Et le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent. Il faudra mettre du bois. Enfin, il faudra mettre du bois pour renforcer ça. Ça coûte moins cher. Là, dans l'idée, c'est à peu près juste. Lui, il peut passer là. Bon, sauf que ça casse. Mais ça, il y a un début d'idée. En fait, le truc, c'est pour réussir à faire descendre la route là. Ah non, ça, il faut tirer en l'air. C'est juste... Non, j'ai dit n'importe quoi. Donc, attends. Là, il va descendre ça. Et il faudrait que cette route-là se monte là. Donc, en fait, le split ici est faux. Fond. Ça serait limite ici qu'il faudrait splitter. Comme ça, ça se lèverait là. Et là, du coup, ce serait juste. Il faut juste que je rajoute le fameux hydraulique qui va me tirer ça. Est-ce que ça pourrait tenir?
Beaucoup de pression par contre, ça se casser. Tac, donc là c'est juste, par contre il a pas fait son boulot. L'hydraulique n'a pas fait son travail, forcément il n'y en a pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup on va modifier ça, l'hydraulique on va mettre comme ça. Parce que je pense, vu que j'avais un poteau, ça empêchait l'hydraulique de faire son travail. Là du coup il tire, mais ça casse. Ça casse, ça c'est un souci. Ah bah là de toute façon j'ai pas de renfort, c'est juste. Là je n'ai pas mis de renfort, donc on va modifier ça. Donc là déjà en dessous j'ai mon renfort. C'est déjà une bonne chose, là c'est bon. Et là il y a un souci, au niveau de mon speed, il y a un truc qui joue pas. Bah, je pense qu'il supporte pas ça vu que c'est la route qui descend, c'est pas la bonne route qui se lève. Ça c'est con. Du coup s'il met juste un speed là, qu'est-ce qui se passe? Donc là il passe, là il tire. Le problème c'est que j'ai ma route qui reste coincée là. J'ai modifié pas mal de choses, enfin j'ai supprimé plein de choses, histoire de faire un peu de place, parce que de toute façon au niveau budget, on n'est pas du tout bon. Donc ce que j'aimerais réussir à faire, c'est déjà mettre un renfort en bois pour que ça coûte moins cher, ça sera déjà un bon début. Et après ça, il faudrait idéalement réussir à trouver comment gérer ce fameux split pour qu'il puisse s'ouvrir au bon moment. Pour le moment, je sais pas encore trop ça. Bon là, forcément, ça casse, on est d'accord. Donc là, lui peut passer sans souci. Et après, ça casse. Ah oui, parce que j'ai pas mis le truc, c'est normal. Jusque là, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal. Là, j'ai mis une toiture un peu, enfin un truc au-dessus. Et ce que j'aimerais faire, c'est poser donc mon fameux hydraulique, genre qui vient de tirer ça. Donc là, il a déjà de l'idée. Bah, sauf là, ça a cassé, ça manque de renfort. Oh, on y est presque, on est pas loin. Fin. On est pas loin du tout. Fin. Là, en l'occurrence, il y a ça qui est trop fort. En fait, c'est pylône là qui n'ont rien à faire là. À mon avis, c'est ça qui pose souci. Fin. Du coup, est-ce que ça tient? Là, ça tient. D'accord, par contre, après, ça casse légèrement. Fin. Du coup, il faudrait peut-être renforcer cette première partie. Ça, ça ne sert à rien, ça renforce rien. Par contre, si je le mets comme ça, là, du coup, je peux vraiment l'enforcer. Fin. Je peux avoir le renfort qu'il faut normalement. Donc là, il ne casse pas. Là il est censé se lever, ah, on y est presque. C'est ici que ça manque de renfort, effectivement. Je pense que le problème il venait tout simplement de là. Parce que c'est vrai que du coup on n'a pas... Il est dans le vide et il n'y a absolument rien qui le soutient, donc c'est clair qu'il va tomber. Donc si je rajoute ça, est-ce que là du coup ça tiendrait? Là il va tirer. Oh, oh ça marche. Yes. C'est marrant. Oh merde, on est hors budget, zut. Mais bon, on est hors budget de super peu, donc c'est faisable. C'est largement faisable. Ce qu'il faudrait faire pour modifier le budget, au niveau des barres en fer, c'est qu'il y en a qui sont inutiles. Ou par ici, par exemple. On pourrait s'économiser un petit peu par là, à mon avis, parce qu'on a eu beaucoup de bois, alors qu'il y a très peu de pression. Donc je pense qu'un simple truc pas trop haut pourrait largement faire l'affaire. Est-ce que du coup, on arrive avec dans la limite? C'est pas sûr. Ah, trop loin, zut. Genre comme ça, est-ce que ça ferait faisable? Essaie de me le faire bien, s'il te plaît. Tac. Tu nous fais un renfort, un mini renfort. On y est presque, on y est pratiquement. Enfin, vraiment trouver une solution. Enfin, genre comme ça. Est-ce que du coup ça tiendrait là? Là on est dans le budget, écoutez. Le pont on se rabat comme il faut. Yeah, bon, il se pète la gueule après. Mais c'est pas grave, non, quand même, regardez. Comment ça fait qu'il soit cassé? Ouais, c'est le manque de support, c'est en fait ça qui manque. Ah, mais c'est bon, là j'ai assez de budget. Je peux me permettre ça. Est-ce que je peux en faire encore? Non, c'est celui-ci qui est en trop. Enfin. On a celui-ci qui est en trop. Ah mais du coup, attends, mais tout ça, ça servait à rien du coup là. C'est super renforcé déjà. Et juste là où il faudrait renforcer un peu plus. Et là normalement on est bon. Si j'ai pas de bêtises, est-ce que ça jouerait comme ça? Donc l'attaque, il descend. Il casse. Il casse mais pas grand chose. Et vu que maintenant j'ai de l'argent pour pouvoir me permettre de renforcer un petit peu. Est-ce que là serait suffisant? C'est vrai qu'avec les bouts de bois, du coup, on peut se permettre. Il fait le saut de l'amour! Le saut de l'amour qui passe presque! Et si, genre, je disais un sorte de bout de métal ici, plutôt que mettre toute l'infrastructure en métal, je me dis que ça pourrait presque mieux. Est-ce que ça pourrait tenir? C'est ça la question en fait. Parce que du coup, ça tiendrait le choc. Au début, ça tient, par contre, c'est après que ça casse. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudrait pouvoir structurer mieux ça. Dans l'absolu, si j'enlève tous ces morceaux de bois, on va y arriver. J'arrive de le faire bien, et on va le faire, les amis, y a pas de raison. Fin. Genre, si tu tenais ça comme ça, parce que là, il tiendrait pas. D'accord, pas du tout. Mais on est pas loin. Non, c'était une très mauvaise idée, parce que du coup, ça a foutu le bordel pas possible. Je pense que du coup, le pont est devenu trop lourd. Et comme il est trop lourd, bah, il se pète la gueule, donc on va remettre le bois bien comme il faut. Fin. Alors c'est bon, j'ai enfin réussi à trouver une solution élégante. Donc ce que j'ai fait, pas mal de modifications. Déjà la route tout en haut, je l'ai un peu rabaissée pour pas que ça fasse un gros saut.
Et après, au niveau de la réception, en fait, la voiture se cassait à chaque fois la gueule, ça mettait trop de poids. Et ça a cassé un peu le pont par là. Donc j'ai simplement, en fait, fait descendre un peu plus, j'ai fait vraiment descendre la route, puis remonter. Comme ça, la pente est beaucoup plus douce, j'ai bien renforcé avec des barres en métal. Là où j'ai utilisé que du bois pour une question de coût, et comme ça, on a vraiment tant de budget de justesse. Et si on regarde, on est parfait, regardez ça. Donc le premier passe sans aucun souci. Et deuxième, là, on est vraiment bien à l'attaque. Les voitures, elles, pouf, pas de saut, rien, ça passe tout seul, comme un grand fort, sans qu'il y ait le moindre problème. Alors, venez voir le prochain épisode, on fera le 18 mètres Go Bridge. Yes, j'aime ça, les amis. Je m'éclate comme un petit fou, les amis, sur ce jeu, il est tellement génial. J'espère que vous également. Enfin, pensez à laisser un petit pouce bleu et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!